Un exemple, les éducateurs de rue, c'est pas de la compétence de la mairie, c'est le département. Et le département, jusqu'à maintenant... Non, 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 mais c'est pas... Mais le département n'a pas voulu en même. Voilà. Moi, je m'arrête là. Donc, la mairie, elle fait avec ses compétences, elle recrute des médiateurs sociaux, des accompagnateurs sociaux, etc. Mais en matière d'éducation populaire et d'éducation de la jeunesse, là, c'est le département, il faut qu'il s'engage, lui. Voilà. Si ça devait être... Quand le département veut bien s'engager, vous, qui êtes sur le terrain, qui avez fait l'analyse, vous allez pouvoir faire pression sur le département. Vous savez, on leur demande... Pour le compte de vos administrés. Oui, oui, mais on leur demande depuis le départ, vous savez. Et ça fait... n'écoute pas, alors. Et ça fait partie du projet du NPNRU, le fameux NPNRU, avec l'État. Et je pense que l'État a bien compris et qu'à partir de maintenant, ils vont s'engager à remettre des moyens dans le quartier, y compris des moyens humains, au bénéfice de la jeunesse. Mais moi, je peux vous dire, avec ce que l'on fait, ce que l'on recrute, on fait déjà énormément, mais je comprends que ce soit toujours...